Hop là! Ah, par contre, le Elgato ne fonctionne pas. On arrive, on arrive. Bah, tu pètes. Je t'ai entendu péter. Hop là! Allez, let's go. Je sais pas pourquoi il me fait ce boucan d'enfer là, c'est une horreur. Avant, il le faisait pas. Bref, on continue Arkham du coup. Et oui, comme tous les lundis, il n'y a aucune surprise. Enquêter sur l'activité sismique sur Miagani Island. Je sais plus s'il y avait d'autres trucs à faire. On avait enfermé Robin. Tout ça, tout ça, tout ça. Tout 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 tout. Allez, let's go. Niveau supérieur. Oh non, on a qu'un seul. Alors attends, on avait fini la tenue de Batman. On était deux joueurs là, ouais, à compléter ce qui nous manquait un petit peu là. Ouais, on a à peu près tout ce qui nous intéresse en vrai pour le moment. Parce que les gadgets en planant, on s'en fout. Si, ouais, peut-être ça, les triples batarangs ciblés, pourquoi pas. Bon, on verra plus tard, de toute façon. Ok. Ah oui, on venait juste de ramener, je sais plus, le pingouin ou un truc comme ça. Il me semble. Alors là, on en a été où? Il reste encore un défi comme ça. On ne l'a pas encore débloqué. Il reste un défi comme ça. On ne l'a pas encore débloqué. Là, un comme ça. Pas débloqué non plus. Et c'est tout. Oh, il reste que 3 défis. Eh ben, comme quoi, on s'approche de la fin tranquille, tranquillou. Là, extension de mission, on a tout fait. Ok, là, on est bon. Là, il reste encore 2-3. Ah oui, c'est ça. Il y avait Lucius qui avait besoin d'aide. Il fallait aller enquêter à la tour de Wayne. C'était le nouvel objectif secondaire. Et le reste, bah, ça va se faire tranquillement. Lui, il faut trouver Manbat. Il doit être sur la troisième île. Les soldats du feu, ils sont tous sur la troisième île. Lui, ça va être pareil. On va tomber dessus un moment. Lui, pareil, à mon avis. Ça, il en manque un sur Miyagani. Donc, c'est la première ou la deuxième île. Bon, on tombera dessus un moment, sinon on la cherchera. Ça, pareil, il en manque un petit peu, mais ça se voit de loin. C'est pas très grave. Ça va être le plus long. Ça va être à la fin. Là, il faut juste tomber dessus. Et là, pareil, il en manque pas beaucoup, mais faut. Juste quand on tombera dessus. Bon, bah voilà. Non, merde, par contre. Par contre, on va. Hop. Lucius est injoignable. Ça ne me plaît pas. Je vais mener l'enquête. Allez, La tour let's go. Wayne est bouclée, monsieur. On ne peut y accéder qu'en passant par l'ascenseur du parking souterrain. Hop. Allez, donc l'ascenseur du parking souterrain, donc faut forcément y aller. Alors, allez, du coup, j'ai plus la. Attends, comment on dérape déjà? Je crois que c'est carré hein, pour déraper. J'ai plus l'habitude parce que j'ai pas mal torché j'ai pas mal torché l'ombre de la guerre là ce week-end et du coup comme c'est à peu près le même gameplay mais avec les quelques touches qui sont un peu différentes et bah y a pas de Batmobile du coup je suis c'est quoi ça? Oh! On va le faire maintenant. Treuil électrique. Une force moyenne, ça va être tranquille. Ah putain, je fais. J'arrive pas à viser correctement là. Winrattler,
Il en reste un. Il est où le dernier? Ah bah c'est bon. Hop là. La charge de la bombe est exposée. Avec le treuil électrique, je peux déclencher une explosion contrôlée. Explosion contrôlée réussie, monsieur. Cette bombe n'est plus dangereuse. Ok, donc là on est sur Miyagani. C'est où Miyagani déjà? Ok, donc c'est cette... D'accord. Ok. Retournons voir... Lucius, la tour voyable. Ça ne me plaît pas. Je vais mener l'enquête. La tour voyable est bouclée, monsieur. On ne peut y accéder qu'en passant par l'ascenseur du parking souterrain. Oh putain! Je l'ai écrasé, je voulais pas. On est déjà venu une fois ici. Ah, je crois qu'il faut y aller à pied. Les gars de la milice, je les lade quand tu veux. La tête de Batman, elle est quand même pas ouf, hein. De Bruce Wayne en tout cas, elle est vraiment pas ouf. Okay. Monsieur Wayne, je croyais que vous étiez parti. Ça a l'air terrible dehors. Qu'est-ce qu'on veut faire? Pas d'inquiétude, ce sera bientôt fini. Oh merde, tout le monde est paniqué. Alors qu'est-ce qui se passe? Où est Lucius? Ah, il va se passer un truc. Monsieur Wayne, je viens de finir de sécuriser le bâtiment. Y a-t-il un souci? Puis-je faire quelque chose pour vous aider? Je ne pensais pas que vous reviendriez ce soir. Ai-je manqué quelque chose? Un problème d'identifiant? Ah, c'est les yeux du Joker. Oula. Ah, je joue pas Bruce Wayne. Ouais, je joue... Ok, je sais. On joue Hush, je pense. Et là, on va arriver en tant que Batman. Voilà, c'est ça. C'est pas Bruce Wayne, c'est Hush. Ça me semblait bien aussi. Alfred, je suis à la tour Wayne. Quelqu'un s'est introduit ici ce soir. Il a enlevé Lucius. Seigneur, une idée du suspect? Le voleur d'identité, Thomas Elliott. Le chirurgien? Seigneur, vous étiez inséparable à une époque. On l'est toujours, à vrai dire. Il a reconstruit son visage en prélevant de la peau sur ses victimes. Il est le parfait sosie. C'est pour ça qu'il a des cicatrices un peu bizarres sur le visage. Pourquoi diable aurait-il fait cela? Il dit que c'est personnel. Je vais bientôt en savoir plus. Promettez-moi d'être prudent, monsieur. On va l'arrêter, vite fait, bien fait. Hush. Tommy Elliott, chirurgien, tueur en série. Thomas Elliott et Bruce Wayne sont amis d'enfance. Et bien que Bruce n'en soit pas conscient, le sombre reflet l'un de l'autre. Après la disparition de l'un de ses parents dans un tragique accident, le jeune Tommy, traumatisé, développe une haine pathologique des Wayne. Devenu un chirurgien de talent, Tommy passe de nombreuses années à élaborer un plan qui lui permettra de détruire Bruce Wayne. Grande force physique, chirurgien renommé, expert du déguisement, déterminé à détruire Bruce Wayne. Bruce Wayne est devenu fou. Il tient M.
Monsieur Fox, je vous en prie, aidez-le. Laisse-le partir. On ne faisait que négocier, n'est-ce pas, monsieur Fox ? Vous devez entendre ma machine à laver qui tourne fort. Amène-moi Bruce Wayne, ou je fais tomber cette tour. Pourquoi, Wayne ? Vous étiez amis tous les deux. La famille de ce sale gosse m'a détruit. Et maintenant, je lui rends l'appareil. Les Wayne t'ont soutenu. Ah oui, le grand chirurgien Thomas Wayne. Et dire que c'était mon idole autrefois. Jusqu'à ce qu'il foute tout en l'air. Il a fait ce qu'il a pu pour sauver tes parents après l'accident. Je suis désolé que tu aies perdu ton père. Mais il a sauvé ta mère. Il m'a privé de ce qui me revenait de droit. Ce n'était pas un accident. C'était toi. Tu voulais les tuer. Je veux ce qui me revient de droit. Bruce Wayne, on lui a apporté sa fortune sur un plateau. Il n'a jamais eu à se battre de toute sa vie. Maintenant, livre-moi Wayne. Ou j'anéantirai cette tour et tout ce qu'il a de plus cher au monde. Essaie pour voir, Tommy. Bruce ? Non, c'est impossible. J'aurais dû m'en... Il devient nerveux. Quand il me visera, j'aurai une fraction de seconde pour le désarmer. Trop tôt, et il tuera Lucius. Trop tard, et il me tirera dessus. Ça va être chaud. Je vais le faire ! Bam ! On a réussi. Allez, oh putain, j'ai tout pété. Rien à foutre. Donc il est plutôt classe quand il a son... Mes plus sincères excuses. Rassurez-vous, je vais renforcer la sécurité. Ne vous en faites pas, Lucius. Vous êtes blessé. Je m'en remettrai, monsieur Wayne. Tout le monde n'aura pas cette chance. Ce n'est pas votre faute, Lucius. Je ne peux pas l'emmener au GCPD. Je vais l'enfermer ici, dans la chambre forte. Certainement, je m'en charge. Alfred, j'ai enfermé Elliot dans la tour Wayne. Je le remettrai à la justice dès que possible. Oh, Dieu soit loué. Comment va Monsieur Fox ? Il va bien. Oh, c'est une bonne chose. Monsieur Elliot répondra de tous ses crimes devant un tribunal. Ok. C'était moi une. Cette tenue mériterait une autre mise à jour. Vas-y, je t'en prie. Bon, ok, donc on a géré le problème Thomas Elliot. Ça va vite, hein. Bon, bah, on va aller se diriger tranquillement vers la nouvelle mission. Enquêter sur l'activité sismique sur Miagani Island. On est à 70% enfin, de la série. Je vais enquêter sur l'activité sismique de Miagani Island. J'ai peur que les nouvelles ne soient pas bonnes, monsieur. Une constante cette nuit. Il y a encore quelques... J'en profite, hein. Si notre équipement est vraiment haut de gamme, celui de Batman est hors gamme. Au-dessus de la gamme, ça existe au moins. Batman vient d'avoir un drone serpent. Ça va tellement vite avec le boost de grappin. Allez hop. Ils vous font passer pour des crétins. L'autre il est un peu loin. Là on voit qu'il y a... Oula. On voit que là il y a une tour là-bas. Il y en a une autre que j'ai vue là-bas. J'ai goûté au gaz. Oula. Une fois. J'ai vraiment, mais alors
Je tiens la source de l'activité sismique. Sa fréquence semble s'intensifier. Je sais ce que c'est. On a un problème. Donc Ivy fait n'importe quoi. Tu viens de leur donner ta position. Il est temps que l'épouvantail paie pour ce qu'il m'a fait subir. J'espère que t'es prête. Il va sûrement faire usage de toute sa force. Ok, c'est parti. J'écraserai ces petites boîtes de conserve. Les drones attaquent. Visez bien. Wow. La cible alpha a eu un... Je ne perdrai pas. Pas encore. Non, il n'y a pas intérêt. Taille en pièce. Frappe direct. Moi, j'ai fait de la merde là. On est en perdition, chef. Chef, vous m'entendez? Oui, je m'en sois. C'est sous contrôle. Blindage tient. Hop là, allez boum. Les drones d'attaque sont détruits. On peut pas avoir Ivy tant que Batman la protège. J'ai déployé des tanks Cobra. Tuez-le ou forcez-le à quitter. Ah putain, tank Cobra, c'est chiant. Position, chef. Il est encerclé. Méfie-toi, Batman. Ils envoient quelque chose. Ok, tank Cobra maintenant. Ça devrait le faire. Je ne peux pas t'aider davantage, Batman. Je ne suis pas encore assez forte. Ok, donc faut que je défonce les 5. Le tank Cobra, l'inconvénient. Ouais, et l'autre là-bas, il va pas durer longtemps. Je peux te l'affirmer. Je les envoie. Je peux pas l'arrêter. C'est pas nécessaire. Ok, donc il va descendre là. On va essayer de le contourner. Je pense que là il est parti. Ouais, c'est ça.
Allez, boum, tranquille. Visiblement, c'est mal barré. Il faut que je ramène Ivy au GCPD avant que le chevalier d'Arkham lance un nouvel assaut. C'est trop dangereux de la laisser sans protection. Alors, on va d'abord faire. J'ai 6 points. Putain, faire le tour parce que elle est au-dessus. Tu es en danger. Le chevalier sait où te trouver. Il faut que tu viennes avec moi. Je les abandonnerai pas. Elles ont besoin de moi. Elles sont fragiles. Monsieur, je vous suggère de jeter un coup d'œil au Perdition Bridge. La Batwing a localisé le déluge. Il semble opérer de l'intérieur et concentre énormément d'énergie. Le chevalier d'Arkham. C'est quoi, c'est un genre de cobra ? Ah ouais, putain, ça fait un... Elle a mis autant de temps à trouver ce putain de tank. Ah ça... Oula. C'est quoi, c'est un... C'est un IEM en plus d'être un truc de poison du... De l'épouvantail. C'est ça. Batman est plus ou moins résistant. Oula. Ouais c'est ça. Ah ça va nous mettre un brouillard de guerre là, on peut plus descendre. Ah oh, l'enfer. Ah j'ai plus de Batmobile, j'ai plus rien. Elle fusionne avec la plante. Bang bang. Ok, donc je peux plus descendre. Oh, c'est un peu emmerdant pour faire le les missions secondaires. Ah ouais, bon d'accord, ok. Bon, on a fait un espèce de point de non-retour où... Monsieur, je n'ai jamais vu d'agent chimique se propager aussi rapidement. Ah ouais, c'est toute la ville. La situation est grave. Et monsieur, le champ énergétique du déluge a brûlé le noyau d'énergie de la Batmobile. Qu'allez-vous faire? Je vais retrouver Stagg. Il a créé le déluge. Il sera en mesure de le détruire. Oh, très astucieux, maître Pousse. J'espère que vous pourrez le trouver. Mais je vous en prie, monsieur, méfiez-vous du gaz. Ah, du coup, ça fout vraiment... Ah oui, y'a plus rien. Bref, vraiment vite je m'en débarrasse parce que je peux plus rien faire. Pfff. Ah, la vitesse à laquelle on va. Yeah.
Merde, c'est pas lui que je voulais. Voilà, je vais lui péter. Hop là, boum boum boum. Eh, franchement pas mal le combat là. Je me suis pris un coup ou deux, mais je suis plutôt bien démerdé. Vis un peu ce type. Tu lui as brisé des os qu'il ne connaissait même pas. Monsieur, vous venez de goûter au duo dynamique. Nouvelle version. Meilleur Joker. J'en peux plus de mon essorage là. Je peux ouvrir la porte Stag ou pas? Stag a accru la sécurité depuis la dernière fois. Il se doutait que j'en viendrais. Seule son empreinte vocale peut déverrouiller cette porte. Bon, ok. On a notre truc et ça va être assez simple c'est normalement. Que même Batman ne pourra pas nous arrêter. Ok. Échantillon vocal. Il faut juste que je reproduise, c'est ça? Ça ressemble bien là. On est pas loin, je pense. Ouais, yes, c'est bon. Calibrage vocal terminé. Simon Stag, ouverture. Stag a réussi à sortir. Les soldats de la milice ne l'épargneront pas. Je devrais m'occuper d'eux avant qu'ils ne le retrouvent. J'ai synthétisé la voix du chevalier d'Arkham. Je dois pouvoir commander ces hommes. Stag ne doit pas être loin, mais il connaît ce dirigeable par cœur. Alors de tirer à vue. C'est pas Stag qui a inventé le truc, là, sur le top du chevalier ? Le déluge. Bon, j'ai un peu fait de la merde. Hop là. La cible a disparu. Fouillez la zone. Il y a quelque chose là-dessous. Mais non, mais non, mais non. Il y a rien là-dessous. Oh, il a bugué. Qui dit allez mon pote debout. Il est dans les bras. Chut, hop là, il en reste quoi? Trouvez-le. Il est sorti de nulle part.
Il reste quoi, deux? Alors, il y en a un là, d'accord, et l'autre il est là. Ok, très bien. Et hop là, allez, c'est parti. Fini. On a défoncé. J'ai toujours le fichier des empreintes digitales de Stag. Je peux retrouver sa trace près du conteneur et suivre sa piste. C'est trop tard, Batman. J'ai déjà le déluge. Stag ne peut plus t'aider. Trouvez-moi cette espèce de pourri et balancez-le hors de son dieu. Sergent Link, je tue la mort est hors combat. Déployez des drones serpents à toutes les issues. Batman ne quittera pas cet endroit. Jeff, déluge activé. Il ne peut plus nous arrêter. Il n'en aura pas l'occasion. Non, chef. Serpent actif et en route vers la position. On a déjà fait ça, je crois. Je crois qu'on l'a déjà fait, ça. Ah voilà, il faut aller là-bas. Ok, Stag. Où est-ce que tu te caches? Mode détection, c'est parti. Caché dans une caisse ou une connerie comme ça. Hop, il est descendu là. Stag a dû ramper dans la pièce pour tenter d'échapper à la milice. Putain, il a mis ses mains partout, le gars. Il était à quatre pattes ou quoi? Par ici! S'il vous plaît, me faites pas mal! Dites-moi comment arrêter le déluge! Ou je vous jure que je vous tiendrai responsable pour chaque personne que l'épouvantail aura tuée. Il est enveloppé d'un champ de nimbus qui accélère la propagation de la toxine et amplifie les effets. Tous les véhicules du secteur qui ne fonctionnent pas au nimbus seront grillés. Je ferais mieux d'en emprunter un alors. Oui, certainement. Je vous en prie. Entrez là-dedans. Ah, c'est les machins instables là, non? C'est... Oh là là! Qu'est-ce que c'est? Un Nimbus 2000. Il est encore plus rapide. Alfred, Stag m'a donné les moyens d'affronter le tank du déluge. Donné? Quelle générosité! Je retourne à la Batmobile. Il s'agit maintenant d'intégrer cette cellule Nimbus à la chaîne de transmission. Mais monsieur, la toxine de Crane passe à travers les fibres de la tenue, et même un masque à gaz ne vous protégerait pas. Si vous y restez trop longtemps, qui sait ce qui pourrait se passer? Alors je vais devoir faire vite.
Demi-tour, bateau. Tu vas devoir affronter ta peur. Allez, go. Maître Bruce, j'espère que vous ne comptez pas faire ce que je pense. Ce serait tout à fait imprudent et irresponsable, même de votre part. C'est la seule option, Alfred. Monsieur, même si le gaz ne vous paralyse pas sur le champ, une nouvelle dose pourrait avoir des répercussions psychologiques à long terme. Je n'ai pas le choix. Ça pue du cul. Je dois retirer le noyau délicatement, ou le verrou de sécurité s'enclenchera. L'air est venu, Batou. Tu le sens, c'est un flux de savoureuse toxine qui parcourt tes veines. Et Eric, les méandres dans l'esprit tordu qui est l'autre. Moi, je le sens. Je gagne des forces, Bruce. Chaque fois que tu respires, je me sens plus vivant. Il est compliqué, là. Hésite, c'est presque. Reste calme. Respire bien à fond. Respire. Tous ces efforts, ça doit te lessiver. T'as pas sommeil, Batou? Fais dodo, Batou, je serai bientôt libre. Et tu seras piégé, c'est le juste équilibre. Donc inspire à fond, respire la terreur. Batman partira et je serai vainqueur. Abandonne. Je m'éteins dans chacun de tes neurones. Ta matière grise tourne au vert. Allez, vas-y. Il est vraiment au bout du rouleau, là. C'est fou. Ils l'ont bien retranscrit, ça, ce côté où petit à petit, il en peut plus. Maître Bruce, vous allez bien? Monsieur. Ah, il va mieux, là. Juste un moment, Alfred. Voilà, ça va lui faire mal à la tête. Ce n'est pas la grande forme, vieille branche. Dans pas longtemps, tu devras me passer le volant. Oh, imagine un peu comment on va se marrer. Musc, massacre, matière grise, le feu d'artifice. Ah, on aura Gotham au creux de la main. Mais tu connais pas la meilleure. Tu seras là, à mes côtés, minute après minute, à me regarder depuis le siège passager. Je sais pas pour toi, Batou, mais moi, j'ai hâte d'y être. Maître Bruce, tout va bien? Mieux. Dieu merci. Quel profond... Ah, quel bordel. Monsieur, les niveaux de toxines de terreur dans l'atmosphère provoquent des interférences avec les scanners de la Batmobile. Un petit peu au fond, vous aurez peut-être du mal à repérer le déluge. Ivy, je ne peux pas localiser le déluge avec tout ce gaz. Essaye de le dissiper. Impossible, Batman. Mes plantes sont trop faibles. Alors dis-moi où en trouver une autre. Il y a un arbre enfoui profond sous Founders Island. Le peuple Miagani l'appelait Ayana. Je le trouverai. Je suis sur Founders Island. Cherchons les racines d'Ayana. Je comprends rien au sonore.
Ah, si, c'est bien. Je la sens, Ayana. Voilà, plutôt. Bien, Batman. Tu te rapproches d'elle. Ouais, c'est bien. On suit les racines. Bientôt, elle sera libre. Tu y es presque, Batman. Je le sens. L'impulsion doit être plus forte pour la libérer. Alfred, j'ai localisé la plante d'Ivy pour filtrer la toxine restante, mais le sonar n'a pas une portée suffisante pour la libérer. Un instant, monsieur. La nouvelle ligne de métro de Gotham est en construction juste sous votre position. Vous devriez trouver un point d'accès à Port Adams. Ce sera suffisant? C'est un début. Envoyez-moi les coordonnées. Let's go. On va libérer un peu toute cette toxine. Je suis trop loin. Il faut que j'aille sous terre. Vite, je t'en prie. Alfred, je suis au parc à containers. Il me faut un accès. Tout de suite, monsieur. Je me dois de vous prévenir. Les analyses indiquent que l'endroit regorge de tanks de la milice. Pas pour longtemps. Il se dresse entre moi et la plante. Ah, et si, je crois que je m'étais... Monsieur, entrée verrouillée. C'est un piège. Batmobile en vue. Parc à conteneurs. Dragon, hors ligne. Batman a détruit un drone. Si, je crois que je m'étais paumé première fois que je l'ai fait. Tu ne veux pas t'avouer vaincu, hein? Tu penses... Diamondback en ligne. Encore les suicides en patron, tu verras. Ah, c'est bon? Il faut que j'atteigne le centre du parc à conteneurs. On n'a pas de radar, c'est bien de les pirater. Comme moi, on est sûr. Et ils vont vers le, ils vont vers les autres. J'ai mal au panard. Bon, alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? En fait, je vais mettre la cam un peu sur le côté. Sinon, vous ne voyez plus ma gueule.
pour les trois malheureux qui sont là. Alors, bon, d'accord, faut que j'aille là. Sauf que là, il y a ça, donc. Comment j'ouvre ça? Ok, c'est assez loin. Chut. Les capteurs du drone sont temporairement inactifs, mais je ne peux en pirater qu'un à la fois. Chaque piratage annule le précédent. Merde. Oh, un bébé. Fais des bisous. Bah oui, tu fais un gros câlin. Bah j'ai pas bien compris comment j'en faisais un et pas l'autre. Papa et maman au country club là-bas dans le petit bisou. Oh, ça c'est des gros câlins et des gros bisous ça. Mon gros bébé. J'ai pas trop compris ce que je devais faire là. T'as compris toi? Non, tu préfères me coller. Je sors du conduit, le tank me tuera. Je réglerai un moment avec le dispositif de piratage à distance. Les capteurs du drone sont temporairement inactifs, mais je ne peux en pirater qu'un à la fois. Chaque piratage annule le précédent. Comment je passe? Franchement, là, je suis complètement paumé. Allez hop, ça dégage. J'en ai encore plein en réserve. Comment le monde pourrait-il avoir peur? Vraiment peur? Alors tu es là, l'affreux chevalier, toujours prêt à pourfendre les créatures. La peur n'est pas que biologie, Batman. Elle dépasse l'instinct. La vraie peur est l'absence d'espoir. Et l'espoir a la forme d'ailes de chauve-souris déployées dans le ciel. Et là maintenant, petite énigme, c'est ça? Oh, tu n'es pas encore en train de creuser pour trouver la vieille fougère d'Ivy, dis-moi?
C'est fini, Batou. Barbara est morte. Gotham s'étouffe dans la mélasse de l'épouvantail et ta popularité chute plus vite que les Grayson pendant leur dernier numéro de trapèze. Il ne te reste plus rien à sauver. Le but c'est quoi? C'est de le faire passer là-bas? Il faut vraiment que je te fasse un dessin, Batou. L'épouvantail a gagné. Tu n'as plus de ville à protéger. Alors arrête donc de jouer les héros et utilise ton joker. Ah ok. Ok, j'ai compris. Tu dois rester à portée de la commande à distance. Récupérer, yes. Maître Bruce, je suis sincèrement navré. Mes recherches sur l'identité du chevalier d'Arkham s'avèrent infructueuses. Rien ? J'ai une liste restreinte de candidats qu'on ne peut pas totalement exclure. Mais sinon, aucun suspect sérieux. Passez aux anciens employés d'Arkham. Lestrange avait des intentions cachées. Quincy Sharp était instable. Le chevalier d'Arkham serait alors un complice visant à achever leur œuvre ? Exactement. Je peux la faire pousser, Batman, mais tu dois la réveiller. Allez, bam ! C'est un petit peu ridicule, ça fait. Pas très bien fait, c'est quoi cette texture bizarre? N'importe quoi, ça c'est... Ouais, c'est un peu surréaliste. Quand tu me diras, ça reste un jeu fantastique. Et attire l'attention. Il faut que tu la protèges. Je ne sais pas encore combien de temps je vais pouvoir tenir. Oh, ça sent pas bon. Ok, je comme ça. Je peux t'aider à éliminer ces tanks, Batman, mais tu dois rester à côté du cimetière. Queen Rattler, en ligne. Petite machine fragile. Diamondback, touché. Contact confirmé avec plusieurs défenses organiques. Ivy l'aide encore. Envoyez plus de drones.
chambre ne changera rien. Ivy n'est pas assez forte pour purifier Gotham. Personne ne l'est. Reste-toi. Il les a anéantis, chef. Il faut plus de temps. Non, maintenant c'est à moi de l'affronter. Ah. Okay. J'ai filtré autant de toxines que je le pouvais. Tu dois trouver le déluge. Il va tuer mes plantes. Je vais le détruire. Tiens le coup. Alfred, levez les ponts. Il ne doit pas quitter Bleak Island. Vous êtes sûr, monsieur ? Scannez le déluge avec la Batwing. Trouvez un point faible. Moi, je détruis les tanks Cobra en patrouille. Monsieur, vous êtes aux prises avec un ennemi qui vous surpasse en termes de puissance de feu. Non. Je vais le piéger. Pourquoi faut que je bute tous les cobras? Je sais pas trop ce que je dois faire en vrai. T'as réparé la voiture et t'en demandes en plus? Ce Batman ne lâche rien, il n'abandonne jamais, il ne laisse jamais tomber sa fille. Tu dois être seul pour pouvoir revenir de loin. Frappez plus fort. T'adore, sauveur. Et je vais te montrer à quel point t'adore. On a une perte. Je réoriente deux cobras. Deux, il y en a trois. C'est un petit peu. Putain, mais je suis où là? J'ai un tout petit peu fait de la merde. Oh merde! Putain, je suis perdu là. Putain, tu fais quoi? Tu vas où? Tu vas où? Joker qui se balade. Hop 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 hop. Drone hors ligne. J'envoie un cobra en soutien. L'analyse du déluge est bientôt terminée. Là, il va tourner ce petit fils de pute. Regarde, regarde, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne. Putain, regarde ça, c'est. Cobra hors ligne, j'ai des renforts à proximité, je les ai. Mon escorte est mal en point, chevalier. Protège le déluge. Replie-toi. On ne peut pas le battre. Le déluge est bien trop puissant. Oh, putain. Ils sont l'un à côté de l'autre, là. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Ils sont en train de m'encercler, les fils de pute. Non.
déluge fonctionne-t-il? L'alimentation en énergie est interne, mais le dispositif est équipé d'un système de refroidissement pour empêcher la surchauffe. Voilà son point faible. Une rupture du circuit entraînera une réaction en chaîne, détruisant le déluge et le tank avec. Je reconfigure votre scanner pour faire apparaître le circuit de refroidissement du véhicule. Bonne chance, monsieur. Je suis trop loin pour que le scanner soit efficace. Je dois me rapprocher sans que le chevalier me repère. Les conduites de refroidissement sont juste sous le blindage du tank. Je devrais pouvoir les percer avec le canon 60 mm. Une salle ne me suffira pas, et je ne peux pas rester exposé. La seule solution, c'est de tirer et de me replier. Wouah, t'as pas raison d'une critique, c'est chaud. Oh putain, par contre, là, il me piste. On va faire le tour comme ça. On est pas mal, là. Il essaie de faire surchauffer le déluge. Pars vite. Tu auras d'autres occasions de le tuer. J'attendrai pas plus longtemps. Je vais attendre qu'il passe tranquillement. Oh le bâtard. Oh putain, il est juste là. Ça marche pas du tout ce que je fais. Waouh. Putain, c'est chaud hein. Ah vache. Je sais pas trop où j'en suis là, mais j'en suis. Tu vas mourir seul. Comment je remonte? Comme ça? Avec ça là? Il est redescendu ce bâtard. C'est fait exprès là, petit tricks là. Ah putain! Mais bouge! Oh là là! Putain, comment il me fonce dessus? Ah le bâtard, j'arrive pas à le semer! Je suis où? Wouh! Pouah, le bordel! Comment il me poursuit? Ah putain, il m'a visé direct! Ah, c'est chaud! Oh la vache! Mais comment je le sème? Putain, j'arrive pas à le semer, mais putain! Comment je le sème? C'est bon là, calme-toi. Je supporterai pas davantage. Oh la vache! Oh! Je peux m'approcher et concentrer mes tirs sur le déluge.
J'ai pas compris. Ah c'est bon. Ah d'accord, je pense que là il est en surchauffe. Donc là je peux l'atomiser. Alors par contre on va attendre que ça ça. Ouah. Fils de pute. Ça lui a fait que ça comme dégâts. Ah par contre du coup il est complètement à ma merci là. En fait, ouais, c'est ça. Faut juste lui faire un tir et se barrer. Putain, c'est super long. Je pense que c'est le combat final du coup là. Tu vois, en fait, faut juste le se planquer comme ça. Regarde là, là il cherche, il cherche. Tu peux pas m'arrêter. Pas possible, y a pas mieux que ça. Franchement, ça va pas très vite. Hein. C'est ici que tu vas mourir. Je comprends pas, y'a forcément quelque chose. D'accord, c'est le truc devant en fait. Depuis tout à l'heure, je fais de la merde. Ah putain, faut passer. Faut arriver devant lui en fait. C'est pas mal ce petit coin là. Il sait que je suis là, mais en fait il est à moitié buggé. Quel bâtard. Il essaie de me choper comme ça là.
Ok, plus qu'un coup, je pense. Plus qu'un coup et on est bon. On va attendre que ça, ça passe. Et normalement, là... C'est pas terrible comme combat, quand même. Il me semblait qu'il y avait Deathstroke aussi dans ce genre de combat. Ça c'est un peu dommage que le Chevalier d'Arkham ce soit ça comme combat, parce que c'est pas fou. Hein. C'est long. Allez, go! Bam! 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 Plus le temps avance et plus on le voit. C'est bien fait quand même. Monsieur le chevalier, l'avez-vous battu? Disparu. Vous n'avez pas l'air sûr, monsieur. Ivy, j'ai anéanti le déluge. Purifie ce qui reste de la toxine au plus vite. Ivy. Je crains qu'il ne soit trop tard. D'après les analyses, la toxine étouffe les plantes d'Ivy, monsieur. Je pars la retrouver. Ok. Allez, let's go. Ok, let's go. Ah merde, Ivy est morte. Putain, bah alors ça, si je m'en souvenais. Oh, c'est chaud. C'est plutôt bien fait. Enfin, c'est pas très naturel, mais c'est plutôt bien fait. J'avais complètement oublié ça, putain, truc de ouf. En fait, elle s'est sacrifiée. Ah, c'est fou. Se dissipe, vous avez réussi. Vous et Poison Ivy, bien sûr. Nous avions sous-estimé la part d'humanité encore en elle. Elle est morte, Alfred. Elle a donné tout ce qu'elle avait pour éliminer la toxine. Oh, je vois. Sa dernière action aura été noble. Je dois trouver l'épouvantail avant qu'il fasse d'autres victimes. Vous avez des pistes? Rien de probant, monsieur. Mais vous en saurez peut-être plus au GCPD. Leur salle de communication a intercepté un message codé du SWAT transmis dans la ville. Pourtant, aucune équipe du SWAT ne se trouve actuellement sur le terrain. Par ailleurs, un certain nombre d'affaires non résolues demandent encore votre attention.
La toxine étant dissipée, le moment semble opportun pour rétablir l'ordre dans la ville. Ok, allez, défi en RA, blablabla. Tu penses vraiment avoir gagné, n'est-ce pas, Batman? Affrontons cette douce illusion de victoire. Le chevalier d'Arkham a fui comme un lâche. Mais maintenant, c'est à moi que son armée obéit. Car même si ma toxine se dissipe, vois-tu, elle laisse derrière elle une ville abandonnée, à jamais marquée par ton triste échec. Cette nuit, alors, qu'est-ce qu'il me reste? Là, c'est pas débloqué. Là, j'ai deux types de missions. Franchement, mission prédateur, c'est quand même bien casse-couille. Course en Batmobile, j'aime bien, mais. Ah, son. Oh putain, faut trois gadgets différents en une attaque planée. Oh, je les ai pas du tout. Faut que je débloque les gadgets, ok. Et ça, c'est quoi? Pour piéger et éliminer un ennemi. Bon, ok. Bah, on fera ça sur un prochain truc. Ok. Et à part ça, qu'est-ce qu'il me reste? Il nous fait des petites infos là ou quoi? Ah, juste pour ça. Les hélicoptères du GCPD ont repéré un bat symbole en feu au sommet de la Dame de Gotham. Azrael est prêt, monsieur. Lady Gotham. On est venu ici, je crois, pour un pompier une fois. Bon, c'est complètement débile, on le voit à travers. Bah. On ne devrait pas le voir à travers. C'est ridicule. Surtout qu'il est en dessous. Oh, tes antécédents en matière d'acolyte laisse à désirer. Rassure-moi, il y a une bonne mutuelle au moins. Je suis prêt à relever ton dernier défi. C'est le plus difficile. Le dernier? Bon, ok. J'aime bien Azrael. Enfin, il se bat comme Batman, donc c'est ça qui est cool. Putain, je les ai défoncés, ils ont rien pu faire. Bra bra bra. Je te félicite, Azrael. Tu as réussi le test. Je te contacterai quand j'aurai pris ma décision. Il n'y a pas de décision à prendre, Batman. Je suis déjà prêt. Je décide de comment ça se passe, pas toi. À chaque instant que tu perds, Gotham sombre un peu plus profondément dans l'abysse. Dépêche-toi de te décider où elle sera perdue à jamais. Monsieur, nous avons établi l'identité d'Azrael. Son véritable nom est Michael Lane. Il était un officier du GCPD avant d'être mis à pied en raison de troubles psychologiques. Ensuite, il semble avoir disparu de la surface du globe. C'est sans doute là qu'il a été recruté par l'ordre de Saint-Dumas. Décidément, c'est de plus en plus étrange, monsieur. Le bat ordinateur a détecté une anomalie dans la physiologie de Lane. Je n'avais encore jamais rien vu de tel. Envoyez le dossier à la tour de l'horloge. Je l'analyserai là-bas. Très bien, monsieur. Ouais, c'est juste à côté. Oh, on l'a pas encore fait ça, les micro-bombes. Allez, terminons la mission d'Azrael. Ce sera pas mal.
ce que tu crois qu'on va trouver dans la cervelle d'Azrael, Batou? Va savoir. Il y a peut-être un bouffon maléfique là-dedans. C'est où le bouton? C'est là. Oula, l'armure elle commence à exploser ou c'est... Non, c'est juste une impression. Allez, go, Azrael. Je transfère tout de suite les données sur Michael Lane. Je ne suis pas neurologue, monsieur, mais je crois pouvoir affirmer que cette chose ne fait habituellement pas partie d'un cerveau. C'est un microprocesseur implanté par chirurgie pour manipuler son lobe temporal. La région du cerveau qui sert à stocker et accéder aux souvenirs. Quels souvenirs, monsieur ? C'est ce qu'on va voir. Azrael, protecteur de la foi, défenseur de la pureté. L'ordre de Saint-Dumas protège Gotham depuis plus de 500 ans. Et c'est désormais à toi que revient cette tâche sacrée. Pendant des années, tu as étudié le Chevalier Noir, apprenant ses stratégies, analysant ses tactiques, décryptant ses moindres gestes. L'heure est enfin venue d'accomplir ta mission. Retrouve Batman. Prouve que tu es son digne et vaillant successeur. Ce n'est qu'une fois que tu auras gagné la confiance de Batman que tu deviendras enfin maître de ton destin. Putain, si c'est ça que Batman y choisit comme successeur, on est mal barré quand même. Ses intentions semblent nobles, monsieur. Pensez-vous que ses souvenirs aient été altérés? C'est un peu... Je crains. Branli-branlo. Alfred, j'ai déjà vu ce symbole à Arkham City. C'est le langage sacré de l'ordre. Ils ont implanté des marqueurs dans la mémoire de Lane pour modifier inconsciemment sa conduite. Si je trouve les autres marqueurs, je pourrai recréer la forme d'onde et découvrir le message. Là. Pas facile, en hein, analysant putain. Ce marqueur, j'ai reconstitué une partie de la forme d'onde. Ça marche. Là, on l'a bien vu. J'ai reconstitué une autre partie de la forme d'onde. J'y suis presque. Il ne doit plus rester qu'un marqueur à analyser. Yes. Voilà, la forme d'onde est complète. Je devrais avoir accès au message. Le chevalier noir est un obstacle pour notre cause. Ah, il là empêche là. Le mal de Gotham d'affronter la véritable justice divine. Quand tu auras fait tes preuves, attends le moment opportun et élimine-le. Prends la place qui t'est due en tant que gardien de Gotham. Un gardien entièrement dévoué qui n'aura de cesse de protéger cette ville. On dirait Jason Voorhees. On peut dire qu'ils ne mâchent pas leurs mots, n'est-ce pas, Maître Bruce? Et comment l'arrêter? Oh que non. Lane. Lane est mort. Je suis Azrael. Chevalier de l'ordre de Saint-Dumas. Ah, on peut choisir. Il t'a ôté ton libre arbitre. Menteur, tu fais entrave à la véritable justice. On est du même côté, Michael. Non. Non. Je
Je sais qui je suis. Je sais très bien ce que je fais. Dans ce cas, le choix t'appartient. Protecteur de la foi, tu sais ce que tu as à faire. Le chevalier noir doit mourir. Tu n'as pas le choix. Tu dois exécuter les ordres. Ah. Donc soit il se fait arrêter, soit il reste. Ah, oh, j'ai bien. Je crois que s'il reste, on peut continuer à le contrôler après. Attends. Ah, oh, je sais pas laquelle on va choisir, laquelle on valide. Attendez. Mission Azrael Arkham Knight. Ok, alors juste. Ok. Ouais, je sais pas, c'est quoi le mieux. Moi, je crois que je m'étais barré. Je sais pas c'est quoi le. Je sais pas c'est quoi le mieux. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on brise l'épée? Tu n'as pas le choix. Tu dois exécuter les ordres. Je sais pas. Non, mais je l'aime bien, moi, Azrael. J'ai pas envie de faire ça. Ta mission. Tu as pris la bonne décision, Michael. Je n'obéis à personne sauf à Dieu. L'ordre doit aujourd'hui payer pour ce qu'il m'avait subi. Je pense que ça aurait été plus épique. What? Oh, c'est un défi avec Azrael, le dernier. Oh, en fait, on a les trois derniers défis, là. Ok, d'accord. Oh, putain, c'est un défi avec Azrael. Ah, mais du coup, attends, si c'était pas Azrael, ça aurait été quoi? Bizarre. Oh, en plus, le défi sera interrompu au premier coup reçu. Michael Lane, policier. Michael Lane a autrefois pris part à un programme destiné à créer le justicier ultime. Au lieu de cela, cette expérience a fait de lui un criminel psychotique. Vaincu par Batman, Michael confesse ses péchés à un prêtre de l'ordre de Saint-Dumas, une secte religieuse qui le recrute. Portant la tenue des chagrins et l'épée du vice, il devient Azrael, pourfendeur du mal. À Arkham City, Azrael prédit la chute de Batman. Ayant étudié les techniques du chevalier noir, Azrael se considère comme son successeur légitime. La tenue des chagrins améliore sa force, son endurance et sa vitesse. L'épée du vice brûle avec les âmes des damnés. Crise de folie passagère. Formé aux tactiques de l'armée et de la police. Y a aucune info là. Oh les bâtards. Non, rien à part ça. Bon, on va voir un petit peu après. J'ai bien envie de faire là. Il reste quoi? Il reste 25 minutes là. Je vais aller là-bas voir là. Je vois qu'il y a des lumières là. Il y a tout un tas de religions qui autorisent pas ça.
Oh putain, c'est dur. Tout ça je voulais faire. Batman ne pourra pas faire un pas dans la ville sans qu'on soit au courant. T'as entendu les rumeurs? Il a l'air coriace. Je crois pas à ces histoires de fantômes. Ouais, t'as raison. C'est qu'un homme. Qu'est-ce qu'il peut faire au pire? Non, je sais pas. Briser tous les autres. Je tiens! Batman! Il est pas là! Je vais pas y arriver, hein. Si à chaque fois que je me descends, je me fais repérer, on va vraiment pas y arriver. Ok, on reste combien? Oh putain! Le FDP. 1, 2, 3, 4, 5, et où le 6ème? Il en manque un. Y'a pas un truc à pirater là ou... Et en gros là, je peux normalement avec le... Je te comprends. On n'oublie jamais l'amour de sa vie. Surtout quand on a sa mort sous la conscience. Comment il a fait ça?
vois rien là. Putain. On voit rien en fait parce qu'il était trop haut à chaque fois, le symbole. Du coup j'avais pas cramé qu'il fallait juste que je l'esquive. On aurait pu perdre juste sur ça. C'était pas facile hein, n'empêche. Hein. Attends, je les ai tous éliminés ici. Que... Merde, je sais pas, je voulais pas du tout. Ça aurait presque pu être stylé. Bam. Voilà. Hop là, un de moins. Ok, alors. Putain, franchement, Kirk, je sais pas où est-ce qu'il est. Hein. On n'a pas d'info, on n'a rien. Et Kirk Langstrom, on sait pas où il est. La créature chauve-souris émet un signal d'écolocalisation. Si j'écoute attentivement, je pourrais traquer ses déplacements. Ouais, non, on sait pas. Hein. Regardez au cas où, de toute façon Founders Island c'est bien là. Non c'est pas du tout là. Ok donc c'est plutôt là, donc on va vraiment aller de l'autre côté. Hein. Il y a deux postes de contrôle mais grosso modo ouais, je vais... On va aller sur l'autre île. Hein. Parce que même s'il me reste 2-3 trucs ici, globalement sur l'autre île il y a quand même beaucoup plus de choses à faire. Et j'aimerais vraiment trouver Kirk Langstrom là. Ah quoi que eh. Attends, si là il y a le truc de Azrael, on le fait maintenant. Ouais bon bah c'est là. Bon bah let's go. Faut faire combien? J'avais fait 15 700. Bah attends, j'ai pas fait 30 000. Comment ça se fait? Ah non, 157 000. Mais je suis un vénère. Oulala, tranquille. Trop facile. Ah j'ai perdu mon combo, non. Ah c'était trop beau. Voilà, ça s'arrête là. Bon, j'ai fait mieux, mais c'est pas grave. Franchement, c'est trop facile. Oh là là, je m'attendais à un truc tellement hardcore. Mais en fait, c'était tranquille. Tranquille, franchement. Pff, aucun problème. J'aurais pu continuer encore longtemps comme ça, mais bon. Allez, on s'en fout. On a réussi direct. Ah, c'est bien, je suis content. Je me suis pas fait chier, là. Bien, bien cool. Plus que deux défis. Bon, on les fera pas aujourd'hui. Hein. Alors du coup, je voulais aller par où? C'est là, Founders Island. On est encore là pour un petit quart d'heure. Donc ouais, donc on va chercher un petit peu
Quelques défis à réaliser. C'est quoi? Non, ça c'est juste des hélicos. Pour l'instant on voit rien. On va essayer de se mettre un peu près au milieu de la ville. Pourquoi il veut que je déploie la tyrolienne là? Je vais me foutre sur un building là. J'aimerais bien me foutre sur un... Alors, hop, si je me fous ici. Alors. Est-ce que déjà on voit peut-être Langstrom? Là, j'ai trouvé. Il est là-bas. Il est là, juste là. Ouais. Allez, c'est bon là, c'est fini pour toi. Allez, fini. Cash, j'ai pu administrer l'antidote au docteur Langstrom. J'ai besoin que vous prépariez une cellule d'isolement. Je vais vous l'amener. Très bien, je m'en occupe tout de suite. Et hop. Putain, à chaque fois par contre faut qu'on retourne au GCPD, c'est super chiant. Qui foutait là le truc. Mec, il est là depuis combien de temps? Il est tout seul. Les drones déployés sur Bleak Island ont été neutralisés. Beau travail, Batman. Oh, la Batmobile, elle a pris vénère. Elle est toute dégueulasse. C'est pour ça que je veux pas changer les skins. Parce que là, au moins, on voit que ça évolue. Sinon, les skins, ils sont trop clean. Et quand on fait l'histoire pour la première fois, entre guillemets, quand on veut être que ça soit crédible et tout, bah, ça reste trop cool de voir le matériel qui se dégrade et tout. Petit à petit. Même le costume, il se dégrade un peu. Ici c'est plus léger. Il va s'en remettre? Physiquement, oui. Où est Francine? Où est-elle? Elle est morte, Kirk. Non. C'est pas possible. Je n'ai pas... Qu'est-ce que j'ai fait? Ce sérum, il vous a changé. Il a pris le contrôle. Ah bah là. Tu avais dit que le plan était un fail. Gotham n'est pas encore perdu, Batman. Grâce à vous. Tu n'aurais pas dû sortir ce soir, Dent. Combien de fois on a vécu ça? J'aurais dû le dégommer, Azrael, ça aurait été rigolo. Les barreaux, et nous, on prend la clé des champs. Ta vie est une mascarade. Une grande farce. Au contraire, cette vie me satisfait. La satisfaction ne dure qu'un temps. Profites-en tant que tu peux, parce que la prochaine fois qu'on se verra, tu mourras.
Ok, le pingouin. Oh, bateau, tu fais ressortir le bon côté de tous. Hein, celui de tes ennemis, de tes amis, et même de tes meilleurs ennemis, comme Harvey, ici présent. Il est à moitié intéressant, ce jour-ci. Tout ça grâce à toi. Les cages te vont bien, Cobblepot. Oh, t'as l'air crevé, mon pote. T'en as bavé pour me foutre au trou, j'ai bien vu. Le corps humain a ses limites. Au bout d'un moment, il lâche. Te voir derrière les barreaux, ça m'aide à tenir. Je vais effacer cet air suffisant de ta sale trogne. Tu vas voir. Alors là, en fait, oui, non, j'ai failli aller là-bas. Ce type était mon ennemi juré à Arkham City. Oh, ne fais pas cette tête, Batou. J'ai une vie en dehors de toi. J'en avais une, tu vois. Mais en fait, c'est la mission principale, donc on va pas le faire maintenant. 65%. J'ai que 3 mecs sur 11, c'est pas possible. 1, 2. Sur 11? Mais attends, il y en a pas 50. Je sais que. Enfin, ah bon, il y aura Firefly, donc 4. Ça, je crois que c'est Deadshot. Donc 5. Là, je sais pas. Donc 6 avec l'homme mystère. 7 avec lui. Attention, c'est pas compliqué. 1. Alors, il y en a 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Peut-être 11 avec l'épouvantail alors? Ouais, ça doit être ça. Hein. En tout cas, c'est, ça commence à être bien rempli. Là, parce que je. J'aurais pas cru qu'on s'en sortirait vivant. Quoi, vous êtes qui vous? Allez, on se casse. Mais je veux pas faire la mission principale pour le moment. Tu me files pas une petite info là? Rien du tout. Non, là, il faut vraiment aller sur l'autre île. Attends, on a fait tous les... les mines là? Alors, les tanks. Ah, cool, on a fait tous les tanks, d'accord. Ah non, c'est le contrôle des routes. Bah, non, pourtant... Ah, c'est là. Ah, parce qu'on a tout fait pour le moment, mais il va y en avoir d'autres. Ok. Gotham occupe. Bon, d'accord. Ok, bon. Là, il reste quoi? Il reste 5 minutes. On peut peut-être se faire un petit... Pourquoi il y a 2 missions? Bon, on a eu Kirk Langstrom. On va se faire un petit... Tiens, là, je vois qu'il y a un petit hélico là-bas. Là. Enfin, un drone. C'est un drone ou un... Je sais pas, on peut les péter, les hélicos, je pense pas. Ah non, les hélicos, je crois que c'est lié à ça. Alors, petit coup de fumée. Plus grand, non? C'est tout? Tu vois, moi, si j'étais milliardaire... Et boum! Ah, c'est si simple. Hop là, tranquille. C'est bien ça d'en faire un petit peu de temps en temps là. Oh.
à combien? Putain, il en reste encore beaucoup, hein. Pourquoi là, c'est quoi ça? Ah, c'est des robots. Il reste 3 minutes s'il y a un truc pas trop complexe là. On va regarder un petit peu, on va se foutre là-haut, on va regarder. Alors est-ce qu'il y a quelque chose? Non, c'est de là que je viens. Là-bas, il y a la lumière bleue, rouge, bleu, n'importe quoi. Peut-être se faire ça là, vite fait. Il passe la nuit à nous faire la leçon sur ces panneaux. Là. Et il nous prévient même pas. Qu'est-ce que c'est? Alors, oh, un petit défi combat là, ça va aller assez vite. Donc ils sont 5. Juste attends qu'il y en ait 5 qui soient vraiment côte à côte. Genre là bientôt. Petite fumigène et après c'est parti. C'est bon, yes, parfait. Hop. Et un truc de plus. C'est bien ça, on prend quelques minutes, on avance un petit peu sur les machins annexes, c'est pas mal. Ouais, faut se repérer au drone là. C'est quoi, il reste encore deux contrôles des routes. Les contrôles des routes, c'est chiant parce que c'est au sol. Et à moins de tomber dessus. Et il est là-bas, il y a deux hélicos et je suis sûr qu'il y a quelque chose là-bas, c'est obligé. Ouais, bah toi, on verra ça à la fin, évidemment, parce que c'est vraiment trop chiant. Ok, bon, il est 22h. Oh, on a bien avancé là, je trouve. Hein. On a fait pas mal de choses. En 2 heures, on arrive quand même à faire pas mal de choses. Hein. J'ai l'impression, limite, qu'on avance presque plus vite, quoi. C'est un truc de fou. Du coup, la prochaine fois, je pense. Alors, soit peut-être on commencera par ça, histoire de boucler les défis une fois pour toutes. Ça peut être pas mal. Il reste vraiment plus grand chose. Et en gros, ce qui reste, le plus chiant, c'est être le prédateur. Parce que ça, c'est toujours le plus chiant. Et après, la course en Batmobile. Alors, je sais pas si je l'ai débloqué. Je l'ai pas encore. Ah oui, mais non. Ah, il faut que j'utilise des gadgets. D'accord. En une attaque planée. En fait, pour l'instant. Donc, bah, peut-être qu'on fera le défi prédateur histoire de se mettre en jambe et de pouvoir le réussir. C'est quoi? Multi-élimination x4. Ça, c'est pas mal. Une cible vers un mur fragile enduit déjà l'explosif, puis l'éliminer. Ok. L'opérateur du drone boa en dernier, ça, ok, ça peut le faire. Bon, après, on verra bien, hein. Je suis plus la deuxième qui me fait peur. Ça sent le truc, et au pire, on ira voir sur internet pour avoir la bonne marche à suivre. Ça, c'est pas très grave, on s'en fout. C'est quoi CLM? CLM? Pourquoi CLM, jungle urbaine? CLM, furie de minuit? CLM? Bon, ok, bon, il en reste deux défis, c'est plutôt cool. Et là, ça, en fait, ça fait longtemps. Mais il doit être sur. Je suis sûr qu'il est sur. Il y en a plus que deux à trouver. Donc il reste un cadavre et après on chope le gars. Donc en fait, il faut juste trouver le dernier cadavre. Et comme on a. Il faut qu'on traîne plus sur la dernière île, en fait. On n'y est pas allé assez. Là, pareil. En fait, il en reste une tour sur la dernière île. Donc ça va très très vite. Ça, on s'en fout. Ça, faut tomber dessus. Faut trouver une caserne qui flambe. Il y en a plus qu'une. Et c'est forcément sur la dernière île. Obligé.
Et là, contrôle des routes, pareil, bah, il en reste un petit peu partout. Faut juste surveiller, mais ça, c'est au sol, c'est pour ça que c'est chaud. Et les pompiers, bah pareil, tout est sur la dernière île. Je suis sûr que tout est sur la dernière île. C'est obligé. Bon, en tout cas, on avance bien. Franchement, là, on approche tranquillement de la fin. Hein. Ça se sent. Faudra qu'on mette. Faudra, enfin, j'espère qu'on va, que je vais y penser. À mettre les gadgets, absolument. Oh, on a 96%. Ah ouais, on est vraiment, vraiment sur la fin. Alors après, on va aller plus loin que les 100% normalement. Puis après, il faudra pas oublier qu'on aura les petits épisodes d'Arkham qui sont un petit peu la fin du jeu. On en a déjà fait quelques-uns parce que on suit l'histoire chronologique. Et il y en a certains qui se passent beaucoup plus tôt dans le jeu, notamment celui de Batgirl. Mais voilà. On va faire ça tranquillement, c'est plutôt cool. On avance bien. Je pense qu'il faudra ouais 16 ou 17 parties. Ça sera... Enfin, honnêtement, je pense pas. Parce que Arkham City était vraiment long. Et celui-là... Alors, peut-être qu'avec les défis, ça va vraiment s'allonger. Parce que les défis ont l'air beaucoup plus longs à choper. Mais en termes de contenu de jeu, on est finalement pas si loin de Arkham City. Malgré que dans mes souvenirs, c'était pas le cas. Voilà, du coup, c'est vraiment très très complet. Je trouve vraiment que c'est le jeu... C'est le bat... Autant en termes d'histoire, le premier se tient mieux parce que le premier, c'est vraiment le... Bah, l'histoire, elle est complète, elle est bien faite, elle est cohérente et tout. Elle est maîtrisée parce qu'elle dure 10-12 heures. Du coup, c'est hyper maîtrisé. Autant là... Enfin, même 10-12 heures, ouais, peut-être si. Autant là, c'est beaucoup plus long, donc c'est beaucoup plus dilué. Mais le contenu in-game, il est beaucoup plus intense. L'histoire, elle est même plus profonde. Je trouve avec le Joker et tout, ça va encore plus loin. Les phases de gameplay sont beaucoup plus variées. Il y a un nombre d'ennemis hallucinant. Et quand bien même, les missions mises une par une, elles sont pas très très longues. Tiens, pourquoi t'es en privé toi? Mais du coup... Donc les phases une par une, pardon, j'ai tendance sur un truc. Les phases une par une, elles sont pas très très longues, mais mises bout à bout, bah ça fait un sacré contenu quoi. Il faut pas tout faire en même temps, bien sûr. Faut faire ça petit à petit. Faut faire ça vraiment petit à petit et tranquillement. Mais c'est vraiment complet. Enfin, je trouve que ce Arkham Knight vraiment c'est le meilleur de tous, hein, large. Ok, bon alors du coup j'ai fait une petite couille. J'ai juste fait une petite couille. Je sais pas s'il y a moyen sur YouTube de changer l'ordre de ce qu'on veut faire apparaître. Et si je fais hop, je mets en privé. Et après, je suis désolé, du coup, en même temps, je fais de la bidouille. Un peu de la bidouille là, c'est un peu bizarre ce qui se passe sur oh putain, ça me casse les couilles. Bon bref, je ferai ça juste après dans mon coin. Alors allons voir s'il y a des gens qui streament pour leur faire un petit raid. Bon, on va aller, enfin, en fait je sais même pas s'il y a des gens. Si j'en vois, on est combien? 2 spectateurs. Yes. Bon bah je balance un petit raid sur CFI. Un monsieur très très sympathique. Allez, bon du coup, mercredi, je pourrais pas... Là, les prochains mercredis, ça va être chaud, je pourrais pas streamer. Donc là, en fait, on va faire du full lundi. Tous les lundis, on stream et on va terminer tranquillement Batman Arkham Knight avant de passer sur un autre jeu. Et j'ai déjà 2-3 idées un peu cool. Donc on verra ça plus tard. Bon, allez, à lundi tout le monde.